Camarades, concitoyens, concitoyennes, merci d'être ici aujourd'hui, le 3 avril, pour manifester contre l'austérité. C'est quand même incroyable hein, qu'en 18 mois, on a eu deux budgets consécutifs du Parti québécois, deux budgets qui cumulaient le nombre incroyable de mesures d'austérité. Et ça, c'est sans compter les mesures du Parti libéral précédemment. Pendant que nous parlons d'austérité, ce qu'on va nous répondre automatiquement, c'est que non, 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 c'est de la prospérité. On va parler de déficit zéro. On va nous dire que ce sont des choix responsables. En fait, ce qu'on doit répliquer, c'est que tout ceci n'est qu'une grande farce. On nous enfonce, en fait, dans la tête qu'il n'y en a plus d'argent au Québec, qu'il faut, par notre juste part, qu'il faut payer davantage pour des services qui devraient pourtant être accessibles à tous et toutes, puisqu'ils sont essentiels, ces services. Ce n'est pas normal qu'on demande aux plus pauvres, aux plus précaires, de payer davantage, alors que de l'autre côté, les banques, elles, enregistrent en 2012 plus de 30 milliards de dollars en profit. C'est que l'austérité, c'est que la fiscalité, c'est pour les riches et contre les pauvres. Et ce qu'il faut faire, c'est de dire que cela est intolérable. Si on voulait vraiment nous parler de valeur, on parlerait plutôt de services accessibles, de services gratuits et non de charte ou d'intégrité. Il y en a de l'argent, il y en a dans les poches des plus riches. On demande à ce que les élites politiques et économiques aient la volonté d'aller le chercher, cet argent-là. Quand on nous dit que c'est irréaliste, que c'est idéaliste, bien c'est faux, en fait. Nos demandes aux différents gouvernements sont plus que claires. Outre l'argent qu'on doit aller chercher, on demande aussi que les gouvernements soient le promoteur du bien commun et non qu'ils s'en fassent l'arbitre. Nous ne cherchons pas à maximiser notre développement, nous voulons l'optimiser. Camarades, aujourd'hui, nous avons raison de faire ce qu'on fait. Nous avons raison d'informer les gens. Nous avons raison de mobiliser. Nous avons raison de manifester et de bloquer. Et il faut continuer. Il ne faudrait pas certainement pas lâcher, surtout aujourd'hui, alors qu'on cumule les mesures d'austérité et qu'on appauvrit et la classe moyenne et qu'on enfonce les gens les plus précaires dans une plus grande précarité. Nous avons la responsabilité de faire avancer les conditions sociales au Québec et de créer le changement social. Nous sommes les mêmes magiciennes qui élèveront le bien commun au Québec. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Faisons monter la pression. Parce que je suis une étudiante en littérature et que je suis en colère. C'est à cause de cette colère-là que je suis ici, que nous sommes ici aussi nombreux et nombreuses. Pourquoi je suis en colère? C'est parce que la culture qui nous sert de tissu social est constamment attaquée. Ces attaques ne sont pas nouvelles, c'est vrai. La marchandisation du domaine culturel a débuté depuis longtemps avec l'idée qu'elle doit rapporter de l'argent, mais encore plus avec l'idée qu'elle doit être utile. Parce que la culture, si elle n'est pas asservie aux besoins du marché, elle peut devenir dangereuse, elle peut remettre en question le statu quo,
et projeter un éclairage nouveau en fait sur le monde d'aujourd'hui. Le monde des arts, en fait, c'est une porte échappatoire au désert néolibéral qui nous guette. C'est cette porte d'action que les élites politiques et économiques tentent de domestiquer, tentent d'annihiler. L'action, une chose qu'on doit obtenir de la grève de 2012, c'est justement ça, qu'une fois que le peuple s'éveille, il est difficile à rendormir. On a essayé de transformer la culture en une accumulation de films pop-corn, de derrière de boîtes de céréales et de choupes réchauffées. Et là, le néolibéralisme veut frapper plus fort. Ce n'est pas assez de subventionner à plus de millions de dollars l'apparition de magazines sexistes de livres de culture. Pendant ce temps-là, les revues culturelles n'ont pas une scène, les artistes crèvent de faim, les petites maisons d'édition grattent leur fond de tiroir. Pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec a décidé de vendre les artistes eux-mêmes et elles-mêmes. En fait, pour maximiser la productivité en entreprise. On exploite maintenant avec l'art le programme La culture en entreprise. On essaie d'envoyer des artistes dans le secteur privé pour favoriser l'appartenance et les processus créatifs des employés. On essaie de faire plus heureux, plus efficaces. Résultat, 73 personnes ont perdu leur emploi. La cinémathèque, la cinémathèque à Montréal et des salles de cinéma. Pourtant, l'argent, il y en a au Québec. Dans les poches patronales des banques. Et avec cet argent-là, on peut financer en masse les produits culturels, des films à petit budget, des exposants contestataires, des concerts de musique, des spectacles de danse contemporaine, des recueils de poésie explosifs. Aujourd'hui, on va lancer un cri clair. On va leur dire que la culture ne leur appartient pas aux banques. Elle n'appartient pas aux grandes entreprises. C'est au peuple qu'elle appartient. C'est à nous qu'elle appartient. Ça suffit les compressions, ça suffit. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais, au nom du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN, saluer les 50 000 étudiants et étudiantes qui sont aujourd'hui en grève et qui sortent dans la rue pour clamer haut et fort qu'on doit en finir avec les politiques d'austérité. J'aimerais aussi saluer la présence des militantes et des militants de toutes les organisations du mouvement syndical, du mouvement des femmes, du mouvement communautaire qui sont venus appuyer cette manifestation. Parce que l'austérité, ça frappe tout le monde et c'est ensemble qu'on doit riposter. Ça fait 30 ans, ça fait plus de 30 ans que la crise du capitalisme sert de prétexte à de nouveaux reculs sociaux. 30 ans de néolibéralisme et de politique d'austérité, c'est assez. On demande à la population de serrer la ceinture sous prétexte qu'on n'a pas le moyen de maintenir nos services publics pour améliorer nos politiques sociales, mais c'est de la foutaise. Les seuls qui ne se serrent pas la ceinture, c'est ceux qui profitent du système. D'ailleurs, avez-vous remarqué que l'État ne s'attaque pas au chômage, mais aux chômeurs et aux chômeuses? Le saccage de l'assurance-emploi perpétré par le gouvernement en fait en est un exemple patent. Dorénavant, il y a trois classes de prestataires. Il y a les travailleurs de longue date, les prestataires occasionnels et les prestataires fréquents. Mais ces dernières années aussi, on a
observe en même temps une multiplication des formes d'emploi à temps partiel, sous la paix, en contrat ou dans les agences de placement. On estime que 40% des travailleurs qui occupent présentement des emplois précaires calculent des épisodes de chômage. Ces personnes sont d'autant plus pénalisées avec l'actuel régime parce qu'ils sont des prestataires fréquents, soit des mauvais chômeurs aux yeux du gouvernement Harper. Avec la réforme, en plus de classer les prestataires selon leur historique de chômage, on a redéfini ce qu'on appelle l'emploi convenable et donc ça devient pour tout le monde un emploi à un salaire moindre, donc à 90%, 80% ou 70% selon la catégorie du nombre de semaines de prestations équivalentes. Et si un chômeur ou une chômeuse refuse un emploi jugé convenable, il perd son droit aux prestations et ça, c'est inacceptable. Alors, ce qui fait en sorte que les prestataires qui sont qualifiés de fréquents et occasionnels vont être tenus d'accepter n'importe quoi jusqu'à une heure de route dans leur localité et un taux horaire.